Donc, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi, toujours 16 juin 2023. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Donc, coucou Marie-Clémence, c'est dommage que vous n'avez pas mis de commentaires. Je fais coucou à tout le monde. Je fais coucou aussi à Marie de Chalon. Donc, je t'appellerai bientôt, t'inquiète. Donc, on entend les oiseaux, c'est sympa, il fait encore bon. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai partagé. Des scientifiques ont découvert une civilisation avancée qui existait avant Donc voilà, ces recherches ont été faites donc ce matin, tout simplement. Qu'il y a un lien avec ce que je vous dirai plus tard, un lien aussi avec ce film dont je vous ai parlé, hein, que j'ai regardé. Parle de dragons, terre creuse, l'Antarctique, les dragons à trois têtes, les monstres, autre chose qui était donc sur je sais plus quelle chaîne, je vous en ai parlé. Donc tout ça, voilà, c'est comment dire, ce film, je crois que je sais plus si j'ai noté le titre ou pas, je l'avais regardé, je vous en ai parlé. C'est un lien avec ce que je vous ai partagé ce matin, et donc ce que je vais vous partager, pardon, plus tard, ça n'a rien à voir. Alors désolé, j'étais un petit peu dans le truc, et il y a eu le début de quelques pubs, et comme j'étais dans le noir et que je n'avais pas allumé de bougie, je n'y voyais rien du tout, même avec mes lunettes. Donc j'ai refait encore une recherche, et ce que je vous partagerai donc plus tard. Je vous avais parlé depuis très longtemps de l'intelligence artificielle. J'avais parlé de robots, machin, etc. Robotisme, etc. Il en existe déjà, d'accord? Déjà, en ce qui concerne donc l'électroménager, hein, quand vous achetez, il y a marqué robot pour ceci, pour cela. Celui-là qui passe un petit coup par terre et puis bien d'autres choses, d'accord? Donc, je vais vous partager ceci, je vous le ferai visionner en espérant que ça vienne jusqu'à vous. J'ai envie de vous dire qu'on est bien loin de l'âge d'or. Moi, je vous le dis, hein. Ceux qui parlent de l'âge d'or très bientôt, je ne pense pas. Voilà. Donc, j'avais omis de vous dire que je suis désolée pour les débuts de pub tout à l'heure. Puisque j'étais bien dans le noir, pas de bougie, et puis j'étais tellement dans le truc, parce que je revisionne aussi également, et parfois les choses qui m'intéressent, pop, j'ai la tête un petit peu ailleurs, et donc veuillez m'excuser, donc m'en excuser donc, pour ces débuts de pub que j'ai pu quand même arrêter assez quand même rapidement. Donc voilà, alors je vous ferai visionner ceci et écouter bien sûr. Je vous dis pas le titre tout de suite parce que ce serait pas une surprise. Donc ça parle d'intelligence artificielle, bien sûr. Apparemment, ça existe depuis 2015. Hein, donc ça, et puis ce n'est pas en France, bien sûr. Hein. Je pense que vous devinez de quel pays cela provient. C'est un truc de dingue. Donc j'avais déjà vu ceci aussi dans d'autres documentaires. J'en avais parlé. Je vous ai fait partager quelques petites choses comme ça aussi. Quelques petits documentaires par-ci par-là. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire plus tard sur You et certaines personnes. Sans faire de critique. Mais avoir de la jugeote, du bon sens et de la logique. Et surtout des ressentis. Voilà. Donc ça ne dure pas longtemps, je vais vous laisser. Alors là, il fait bon, c'est agréable. Je voulais vous faire un petit tuto avec des choses plus ou moins naturelles pour nettoyer de l'argenterie. Donc ça ne durera pas très longtemps, mais je vais vous montrer avec quoi, avec quel produit qui existe depuis très 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 longtemps, naturel, voilà. Si vous en manque de produits pour, vous savez, frotter la argenterie pour voilà, lui redonner un petit peu de la comment dire, pas de sa valeur, mais bon,
Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, je vous montrerai ce qu'il faut. Il ne faut pas grand-chose. J'ai fait une expérience. J'ai expérimenté et ça m'a plu. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? J'avais autre chose à vous dire. Alors, je devais vous parler tout à l'heure dans mon premier partage de m'excuser pour les débuts de pub. Oui, alors j'ai une plante sur un rebord de fenêtre et comme c'est pas loin du sol, eh bien, c'était empesté de fourmis. Alors, je me suis dit, oh là là, ça va pas quoi. C'était trop, 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 trop. C'est la première fois que ça arrive d'ailleurs. Hein. Je vous en avais parlé. Hein. Beaucoup, beaucoup de fourmis, beaucoup plus d'insectes, de nouveaux insectes, etc. Donc j'avais acheté un petit tube, un tout petit tube comme ça ressemblait un peu comme une colle, mais qui colle pas vraiment. J'ai essayé, j'ai fait des barrages et tout. Bon, ça a marché, mais très légèrement. J'ai dit, il faut quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc du coup, j'ai acheté une bombe à fourmis. Et je voulais pas que la plante s'abîme. Hein. C'est un lierre que j'ai acheté. Il était tout petit et puis il s'est évasé. Il est magnifique. Voilà, faut bien prendre soin de ces plantes et tout. Donc, il était impossible de mettre ma main dedans pour enlever les feuilles sèches, quelques-unes. Donc, j'ai pris des gants tout à l'heure, mais j'ai mis un coup de bombe un peu dans la terre, un petit peu sur les feuilles, légèrement, voilà, un petit peu partout de ce côté-là. Et là, ce matin, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis des gants quand même, parce que bon, le produit, c'est quand même assez fort, parce que même si vous le mettez, eh bien, j'avais pas mis une muselière, et en fin de compte, j'avais un goût dans la bouche, donc c'est pas des produits très bons pour la santé. Donc, j'ai pris des gants tout à l'heure, j'ai, comment dire, parce que je l'aime bien cette plante. Hein. C'est un très beau lierre. Il est toujours. Je suis arrivée à le garder l'hiver, l'été et tout, alors que j'ai le plein soleil toute l'après-midi, hein, jusqu'au coucher de soleil, comme je vous l'ai dit. Donc j'y tiens, hein, parce que j'adore les plantes. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris des gants et j'ai plongé mes mains dedans pour enlever les feuilles sèches, le secouer un petit peu, et patati, ta, 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 ta. Retirer un petit peu tout ce qu'il y avait autour, enfin nettoyer le rebord de, comment dire, je trouve plus mes mots, hein, ce qui est large et que l'on met les plantes, voilà, des plantes assez évasées. Et du coup, j'ai nettoyé le rebord de la fenêtre, etc., etc., toujours avec des gants, bien sûr. Et du coup, ben, je l'ai bien arrosé et c'est reparti pour un tour. Je n'ai trouvé qu'une fourmi. Donc voilà. Du coup, là, la fourmi, pof, hop, je l'ai dégagée. C'est dommage parce que bon, les fourmis, ça fait partie de la nature. Ça a ses fonctions. Hein. Je pense que vous avez déjà vu des documentaires. C'est extraordinaire comme elles sont, comme on dit, les fourmis travailleuses aussi. Hein. Si vous regardez des documentaires, vous voyez qu'elles font beaucoup de choses. Hein. Elles portent des petites feuilles, des ceci, des cela. Enfin, si on regarde bien tout ceci de près, c'est vraiment c'est très très intéressant. Donc voilà, je suis juste venue vous dire ceci. Donc je pense revenir donc aujourd'hui. Avant de passer à ce que je vous ai dit. Et puis, ça vaut le coup de regarder ce que je vais vous faire partager. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui l'ont déjà vu, qui le savent déjà, mais quand vous regardez vraiment, vous vous dites, non, l'âge d'or, il est vraiment loin. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ou celles qui pensent que c'est prêt, mais je ne le vois pas comme ceci. Donc, intelligence artificielle, depuis 2015. Mais j'ai envie de vous dire, cela, ce n'est qu'une petite partie, d'accord? Donc c'est un pays qui est très connu, n'est-ce pas? Qui fait tout ceci, qui sont très forts dans ceci. Je pense que vous devinez lequel. Bon, ça se met un petit peu partout. Et c'est ce qu'on programme de faire donc plus tard. Mais ça existe déjà, j'ai envie de vous dire. Donc voici, voilà. Et puis après, je reviendrai vers vous pour vous parler justement vrai ou faux, nanana, telle est la question. Et je vous expliquerai certaines choses. Voilà.
comme je vous dis tout le temps, c'est des ressentis, avoir du bon sens, avoir de la logique. Et voilà, ce n'est pas de la critique du tout. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous. Voilà. Portez-vous bien. Et puis, voilà, s'il fait bon, allez vous promener. Hein, le matin à la fraîche, franchement, ça vaut le coup de marcher, ça fait du bien. Je vais à la fraîche avec Mouki. Je fais des longues promenades, surtout le matin, parce qu'il fait bon et c'est très bon pour aussi les animaux. Hein, que dans l'après-midi, la soirée, ça va encore à peu près. C'est bien aussi. Hein. Bref, donc je reviens vers vous aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire quelle heure. Et puis là, je mettrai une bougie parce que là, il faut que je voie clair. Parce que là, je n'y voyais rien du tout. Il faisait noir, noir. J'avais tout fermé, la porte et tout. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis donc à très bientôt. Et puis, je vous dis, je reviendrai après, ultérieurement, comme je vous l'ai promis, pour vous dire ce que j'en pense de ce qui se passe sur YouYou. Bref. Enfin. Allez, je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.